Mathieu, ADP, en froid avec Karine Lemarchand? Ce reproche que lui a fait l'animatrice. Mathieu, ancien candidat de l'amour et dans le pré, est-il toujours proche de Karine Lemarchand? Point. Dans une interview à Gala dévoilée le 16 août 2023, l'ex-compagnon d'Alexandre s'est confié sur leur relation. Alors que la 18e saison de L'Amour est dans le pré débarquera sur M6 le 21 août, Mathieu, qui avait participé à l'édition 2020, a accordé une interview à Gala. Souvenez-vous, l'éleveur de taureaux avait vécu une histoire passionnelle avec Alexandre, qui avait donné lieu à un mariage en juin 2021. Karine Lemarchand, l'animatrice du programme, faisait partie des invités. Cependant, quelques mois plus tard, le couple avait annoncé sa séparation. Et la nouvelle n'avait pas franchement étonné la présentatrice, comme l'avait fait savoir Mathieu à Télé Loisirs. Je lui ai dit tout de suite et elle m'a dit qu'elle le sentait. Que la dernière fois qu'on avait mangé ensemble, elle avait senti. Elle m'a dit qu'elle avait senti déjà Alexandre parti. Alors que moi je l'avais pas senti mais moi j'étais au milieu du truc, avait-il confié. Quand on aime quelqu'un, on l'appelle. En juin dernier, sur Instagram, Mathieu avait fait savoir qu'il était très proche de Karine Lemarchand, mais que leur relation connaissait parfois des étincelles. Ce qu'il y a de bien avec ma Karine, c'est que cet après-midi on s'est un peu pris la tête sur un sujet, comme deux amis à fort caractère, et que 5 minutes après, on se faisait des bisous parce qu'on s'aime simplement, avait-il écrit. Cette fois, c'est auprès de Gala qu'il a évoqué ses liens avec l'animatrice. Il s'est ainsi souvenu d'un reproche fait par l'ami de Stéphane Plaza, qui était alors très en colère. Un jour, elle m'a appelé un dimanche matin et elle m'a dit « Maintenant, ça suffit Mathieu. Quand on aime quelqu'un, on l'appelle. » Moi je t'appelle tout le temps parce que je t'aime. Alors maintenant, tu vas m'appeler et prendre de mes nouvelles, a rapporté l'ancien candidat. Un reproche qui témoigne de leur grande complicité. Reste à savoir si Mathieu a su modifier son comportement pour entretenir son amitié avec Karine Lemarchand.